Je m'appelle Franck Levisky, je suis plasticien et j'enseigne aussi à l'école municipale d'art plastique de la ville de Périgueux. Et puis je fais aussi beaucoup de diffusion artistique auprès d'écoles, d'associations. Je travaille aussi avec les crèches, toujours dans ce domaine d'activité qui sont les arts plastiques. Un tableau, il raconte. On intervient sur une surface avec une matière qui est la peinture, qui est avec des outils, peu importe lesquels. Et puis, le tableau se met à raconter lui aussi une histoire. C'est pas une matière inerte. Elle réagit et elle fait réagir celui qui intervient. Elle fait réagir le peintre. Donc c'est vraiment un dialogue lorsqu'on se met à peindre. Donc ces sentiments. Les sentiments arrivent, repartent, selon l'histoire que le tableau vous raconte aussi. Je puise ici et là des choses qui m'intéressent. Et après, j'ai aussi pas mal de thèmes comme ça qui m'obsèdent, mais dans le bon sens du terme, qui ont toujours suivi ma vie. Et donc voilà, c'est plus des thèmes comme ça qui sont récurrents, qui reviennent au fil du temps, que des inspirations. Alors après, effectivement, il peut y avoir des éléments déclencheurs qui sont des éléments du quotidien, mais aussi des éléments liés à l'information, liés à des découvertes, qu'elles soient plastiques, qu'elles soient littéraires, cinématographiques. Et tout ça, ça nourrit mes créations. Et dès que j'ai commencé à créer, pour moi c'est entre guillemets vital, mais c'est normal, quoi. Je ne pourrais pas m'en passer, je ne peux pas m'en passer. Il y a beaucoup de peintres que j'aime profondément, qui m'inspirent. Ce serait vraiment prétentieux parce que je vais citer que des grands peintres. Si je devais en citer, bon, il y a Velázquez, bien sûr. Enfin, pas bien sûr, Velázquez, j'adore Velázquez. J'adore les autoportraits de Rembrandt. J'aime Eugène Leroy, qui est un peintre de la fin du XXe, un peintre français. Qui crée en accumulant de la matière comme ça jusqu'à effacer son sujet. Et donc voilà, ce sont vraiment les trois peintres que je vénère par-dessus tout. Et après, il y a plein de peintres, toute la période expressionniste, qu'elle soit américaine, européenne, je l'aime beaucoup aussi. Comment vous projetez-vous dans le futur? Moi, je dirais, pour y répondre, j'utiliserai une formule des punks. La formule des punks, c'est « no future ».